If you admire the tomatoes in a store, you might say, how big your tomatoes are. Que vos tomates sont grosses. It's you who grows them. C'est vous qui les faites pousser. Literally, who makes them grow. I've already got tomatoes is, j'ai déjà des tomates. Tomatoes need water. Les tomates ont besoin d'eau. To water or sprinkle, arroser. Every day, tous les jours. Literally, all the days. Even today, même aujourd'hui. Oh, que vos tomates sont grosses! Elles sont très belles, n'est-ce pas? Pourquoi sont-elles si grosses? Oh, vous savez, monsieur. C'est vous qui les faites pousser? Eh oui, monsieur, c'est moi qui les fais pousser. Oh! Combien voulez-vous en acheter? Oh, je ne veux pas les acheter. J'ai déjà des tomates. Ah oui? Vous avez déjà des tomates? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pauvres tomates. Elles sont tellement, tellement petites. C'est vrai. Elles sont très petites, vos tomates. Pourquoi sont-elles si petites? Les tomates ont besoin d'eau. Besoin d'eau? Vous les avez arrosées. Arrosées? Il faut arroser les tomates tous les jours. Tous les jours? Même aujourd'hui? Oui, monsieur. Même aujourd'hui. Oh. C'est vous qui les faites pousser? It's you who grows them? J'ai déjà des tomates. I've already got tomatoes. Arrosées, to water. Tous les jours. Every day. A plate is une assiette. The word for earth or soil is la terre. And on the ground or on the floor is par terre. No kidding, sans blague. Literally, without joke. Sac in French is almost the same. Un sac. To empty something, vider. The whole sack, tout le sac. Il ne faut pas les arroser maintenant. Vous avez dit de les arroser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant, n'est-ce pas? Oui, mais vous n'arrosez pas les tomates comme ça, sur une assiette. Ah, pas sur une assiette. Sur quoi, alors? Sur rien. Vous arrosez les tomates quand elles sont dans la terre. Dans la terre? Oui, la terre par terre. Par terre? La terre par terre! Sans blague. Oui, monsieur, sans blague. Oui, mais je n'ai pas de terre chez moi. Alors, vous voulez acheter un sac de terre? Oh oui, un sac de terre. J'ai besoin de terre. Un sac de terre. Qu'est-ce que je fais avec la terre? Vous la mettez par terre. Ah, le sac de terre par terre. Non, il faut le vider. Il faut le vider? Oui. Tout le sac? Oui, tout le sac. Bon, d'accord. Une assiette, a plate. La terre, earth. Sans blague, no kidding. Vider, to empty. Why did you do that? Pourquoi avez-vous fait ça? A garden is un jardin. And a window box is a nice word, une jardinière, which implies a little feminine garden indoors. Inside, à l'intérieur, and outside, à l'extérieur. Interior, exterior. Don't forget, n'oubliez pas. Tomatoes need light. Put them near a window, près d'une fenêtre, because of the light, à cause de la lumière. To plant is the same, planter. Pourquoi avez-vous fait ça? Oh, mais vous m'avez dit de vider la terre par terre. Oui, mais dans un jardin à l'extérieur. À l'extérieur, dans le jardin. Mais je n'ai pas de jardin. Oh, je comprends. Vous voulez faire pousser les tomates à l'intérieur. Oui, je veux faire pousser les tomates à l'intérieur. À l'intérieur, on met la terre dans une jardinière. Une jardinière. Oh, c'est comme un petit jardin. Oui, monsieur. Je peux mettre la terre maintenant dans la jardinière. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Enfin. Et n'oubliez pas d'arroser tous les jours. Arroser tous les jours. Et mettre la jardinière près d'une fenêtre. Près d'une fenêtre. Pourquoi? À
cause de la lumière, les tomates ont besoin de beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, oui. De la terre, arroser tous les jours et mettre près de la fenêtre à cause de la lumière. C'est ça, monsieur. Oh, il faut planter les tomates dans la terre, évidemment. Oh, oui, les planter dans la terre. J'oubliais les tomates. Un jardin, a garden. N'oubliez pas, don't forget. Près d'une fenêtre, near a window, à cause de la lumière, because of the light. Now, here's the complete sketch again. Oh, que vos tomates sont grosses! Elles sont très belles, n'est-ce pas? Pourquoi sont-elles si grosses? Oh, vous savez, monsieur. C'est vous qui les faites pousser? Eh oui, monsieur, c'est moi qui les fais pousser. Oh! Combien voulez-vous en acheter? Oh, je ne veux pas les acheter. J'ai déjà des tomates. Ah oui? Vous avez déjà des tomates? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pauvres tomates. Elles sont tellement, tellement petites. C'est vrai. Elles sont très petites, vos tomates. Pourquoi sont-elles si petites? Les tomates ont besoin d'eau. Besoin d'eau? Vous les avez arrosées. Arrosées? Il faut arroser les tomates tous les jours. Tous les jours? Même aujourd'hui? Oui, monsieur, même aujourd'hui. Oh. Il ne faut pas les arroser maintenant. Vous avez dit de les arroser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mais vous n'arrosez pas les tomates comme ça, sur une assiette. Pas sur une assiette. Sur quoi, alors? Sur rien. Vous arrosez les tomates quand elles sont dans la terre. Dans la terre? Oui, la terre par terre. Par terre? La terre par terre! Sans blague. Oui, monsieur, sans blague. Oui, mais je n'ai pas de terre chez moi. Alors, vous voulez acheter un sac de terre? Oh oui, un sac de terre. J'ai besoin de terre. Un sac de terre. Qu'est-ce que je fais avec la terre? Vous la mettez par terre. Ah, le sac de terre par terre. Non, il faut le vider. Il faut le vider? Oui. Tout le sac? Oui, tout le sac. Bon, d'accord. Pourquoi avez-vous fait ça? Oh, mais vous m'avez dit de vider la terre par terre. Oui, mais dans un jardin à l'extérieur. À l'extérieur, dans le jardin. Mais je n'ai pas de jardin. Oh, je comprends. Vous voulez faire pousser les tomates à l'intérieur. Oui, je veux faire pousser les tomates à l'intérieur. À l'intérieur, on met la terre dans une jardinière. Une jardinière? Oh! C'est comme un petit jardin. Oui, monsieur. Je peux mettre la terre maintenant dans la jardinière. Ça, c'est une bonne idée. Oh, oui. Enfin. Et n'oubliez pas d'arroser tous les jours. Arroser tous les jours. Et mettre la jardinière près d'une fenêtre. Près d'une fenêtre? Pourquoi? À cause de la lumière, les tomates ont besoin de beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, oui. De la terre, arroser tous les jours et mettre près de la fenêtre à cause de la lumière. C'est ça, monsieur. Oh, il faut planter les tomates dans la terre, évidemment. Oh, oui, les planter dans la terre. J'oubliais les tomates.